Salut, c'est Lastangel et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Assassin's Creed Odyssey et plus particulièrement au Cerbère, le gardien des enfers du tourment d'Hadès, le nouvel arc narratif d'Assassin's Creed Odyssey disponible depuis hier. Alors vous allez avoir une petite cinématique au début, un petit peu de dialogue et puis quasiment aussitôt vous allez affronter ce Cerbère et cette vidéo a pour but, c'est un petit guide en fait sans prétention, de vous préparer le mieux possible à cet affrontement parce que moi je l'ai fait en live hier et je dois dire que j'ai vraiment eu du mal, je l'ai eu au bout de la 7e fois. Je crois de la 7e tentative. Alors je suis comme dans le gameplay que je vous présentais évidemment en mode cauchemar, mais voilà, il n'est pas simple quand même. Il a des patterns qui sont assez sympathiques et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors évidemment, moi j'ai mon style de jeu avec mes capacités à moi, mais évidemment je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez vous en sortir même si vous n'avez pas ces capacités-là. En tout cas, il y en a qu'on doit avoir en commun, c'est quasiment obligatoire, ne serait-ce que la fureur là qui vous permet d'être invulnérable pendant une trentaine de secondes et puis peut-être le ralentissement du temps, ça peut être utile en tout cas face à ce boss. Alors on y va, c'est parti. Donc on attaque la première phase du combat puisque les combats sont toujours en deux phases, hein. Vous savez, une fois qu'on a enlevé 50% de la barre de vie de cet animal, on va partir sur des nouveaux patterns. Donc là, les patterns qu'il a dans la première partie, il a une attaque de zone et une attaque à distance. Donc l'attaque de zone, c'est ce qu'il vient de faire à l'instant, c'est il vous bondit dessus, ça provoque une onde de choc qui envoie beaucoup de rochers et qui peut vous faire énormément de dégâts, surtout si comme moi vous êtes en cauchemar, ça va faire très très mal. Donc assurez-vous d'avoir toujours au moins soit la fureur d'Arès, soit d'avoir votre petite capacité de soin qui est disponible et qui n'est pas en train de se recharger. Donc toujours avoir au moins un sur les deux, parce que si lorsqu'il fait son attaque de zone, votre vie baisse considérablement, il va falloir la recharger tout de suite, parce que le coup d'après, il va vous finir, ou alors avec une boule de feu, ou avec quoi que ce soit d'autre. Donc il a cette attaque de zone, il a les boules de feu qu'il vous envoie avec sa bouche centrale. Alors ces boules de feu, elles sont pas trop difficiles à éviter. En fait, il faut juste comprendre que il va vous tirer dessus d'abord en ligne droite, comme c'était le cas là. Il va falloir vous déporter soit à droite, soit à gauche. Si vous vous êtes déporté à gauche, attendez qu'il tire et partez tout de suite vers la droite, parce qu'en fait, il va vous tirer, il va tirer du côté où vous allez. Si vous continuez à courir en permanence vers la gauche, il va rattraper votre rythme et il va finir par vous brûler et il va finir par vous tuer, puisque les dégâts de feu font énormément de dégâts avec le Cerbère. Donc faites plutôt gauche-droite ou droite-gauche, mais voilà. Puis attendez que pendant que vous partez dans une direction ou une autre, attendez qu'il tire sa boule de feu avant de changer de direction, parce que sinon il va vous avoir. Et le feu fait vraiment énormément de dégâts, enfin en tout cas moi sur mon perso il lui fait énormément de mal. Là au début vous m'avez vu me ruer sur l'animal, déjà d'une part parce que j'aime bien faire les combats au corps à corps. Là c'est un combat qui doit la plupart du temps se dérouler à distance, hein. On va pas se voler la face, il faut le faire pour le faire relativement safe et relativement easy à l'arc. Moi en revanche je suis têtu et j'aime bien combattre au corps à corps, donc l'idéal ça aurait été d'arriver sur ce combat avec toute la barre d'adrénaline qui est pleine. Alors je vous conseille de ne pas faire comme moi, de ne pas arriver les mains dans les poches avec quasiment pas d'adrénaline, mais d'aller avant faire un petit tour en Grèce, faire un petit tour dans l'Elysée, ce que vous voulez, de façon à faire plusieurs combats ou un seul combat, peu importe, mais arriver avec votre barre d'adrénaline chargée pour ce combat là, ça sera un atout qui sera bienvenue, croyez-moi. Donc faites attention également, parce que lorsque le Cerbère va arriver à la moitié de sa vie, là on n'en est pas très loin, il va changer de pattern. Et au moment où il change de pattern, il y a un dialogue que Cassandra prononce, ou Alexios selon le personnage que vous avez choisi. Et pendant qu'il prononce ce dialogue, ou qu'elle prononce ce dialogue, votre personnage est totalement immobilisé. Et d'un seul coup, ça va repartir et le personnage, lui, Cerbère, va pas lui s'arrêter, il va vous attaquer directement. Donc il vaut mieux qu'au moment où vous allez arriver pile poil au milieu de sa barre de vie, vous soyez assez loin de lui. Donc essayez de zioter la barre de vie en permanence. Moi j'ai toujours un œil sur la barre de vie de mon ennemi, de mon personnage, mais aussi sur mes capacités, parce que je veux savoir à quel moment elle se recharge. Parce que j'essaye toujours d'avoir quelques capacités qui sont disponibles, des capacités que je qualifie de qui vous mettent à l'abri, genre la fureur là, qui vous rend invulnérable pendant 30 secondes, le ralenti qui vous permet d'esquiver assez facilement les coups.
Ou alors la petite compétence qui vous permet de remettre votre vie si vous êtes en train de brûler ou si vous êtes vraiment limite, bah vous en mettez ça. Mais j'essaie toujours d'en avoir une sur ces trois-là qui est toujours disponible parce que ça me sort souvent d'embarras. Donc là, il vient de changer en fait de pattern, puisqu'on a eu la phase, comme je vous le disais tout à l'heure, où il y a eu le petit dialogue et puis il a commencé donc avec ses nouvelles attaques. Donc il a l'attaque de zone qui est toujours une attaque de zone, hein, là, l'espèce de grand lance-flamme qui vous. Balance comme ça sur une zone en faisant un arc de cercle. Il a toujours le saut là qui fait aussi de temps en temps, mais au lieu de vous balancer une seule boule de feu comme il le faisait dans la première partie du combat, il vous en envoie trois. Alors c'est impressionnant visuellement, mais c'est pas plus difficile à esquiver que quand il y en avait qu'une. Donc vous emballez pas, ne paniquez pas, c'est surprenant, mais voilà, c'est plus intimidant qu'autre chose. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais comme conseil à vous donner, hein. C'est pas grand chose, me direz-vous. En même temps, c'est difficile d'essayer de vous donner des conseils, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes tenues, qu'on n'a pas forcément les mêmes compétences, etc. Normalement, il y en a certaines qu'on doit avoir en commun, hein, ne serait-ce que les soins, ne serait-ce que peut-être le ralentissement du temps, la fureur, etc. Bon, si vous avez celle-là, il va falloir vous arranger pour jongler avec celle-là pour être le plus safe possible. Et toujours faire des esquives quand vous vous déplacez. Là, par exemple, j'ai vu les flammes arriver sur moi, même si elles m'avaient pas encore touché, tout ça, etc. Je fais esquive sur esquive plutôt que de courir. Parce que quand vous faites une esquive, au moment où vous êtes en train d'esquiver, si vous êtes touché par des flammes ou un truc comme ça, ça vous atteint pas, ça vous donne pas de buff, vous donne, enfin, de malus, vous n'êtes pas en feu. Vous étiez en train de faire une esquive, donc au moment où vous êtes en train de faire une esquive, donc vous pouvez vous déplacer toujours en faisant des esquives, hein, par exemple, hein, vous ne serez pas touché parce que vous êtes invulnérable quand vous faites une esquive. Ça, il faut le savoir. Et donc n'essayez pas non plus de finir le combat trop vite, c'est un combat de longue haleine. Moi, je vais commencer là à voir que sa barre de vie elle est assez faible et je vais m'emballer un petit peu, je vais plus trop faire attention parce que quand c'est comme ça, moi, quand la barre de vie commence à être faible, j'ai tendance à en vouloir en finir assez rapidement, ce qui est une mauvaise idée parce que la plupart du temps, je me fais avoir au dernier moment, il faut rester calme jusqu'au bout, garder son sang-froid jusqu'au bout. Et ce Cerber, franchement, m'a déstabilisé en live. Hein. C'était la première fois que je l'affrontais en live. J'avais juste fait quelques réglages dans l'après-midi. Vous allez être à court de flèches à un moment donné, là, comme c'était le cas là. Alors, un conseil, anticipez ça. Et lorsque vous êtes à un moment donné, soit en ralenti, soit en fureur, soit un truc comme ça, que le combat ait déjà commencé depuis un petit moment, vous laissez pas surprendre, appuyez sur inventaire, allez construire des flèches comme je viens de le faire, de façon à ce que quand vous ressortez en fait de la construction de vos flèches, vous ne retrouviez pas dans la situation où je me suis retrouvé face à Cerber là, le gameplay juste avant que j'ai enregistré, où en fait bah, j'étais sous aucun type de protection, donc ni ralenti, ni fureur, etc. Et au moment où je suis sorti de l'inventaire, il y avait une boule de feu en fait qui arrivait sur moi au moment où j'appuyais sur l'inventaire. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps d'esquiver Nico Hawkes et je suis mort instantanément. Donc du coup, anticipez le manque de flèches à un moment donné et puis vous allez évidemment pas subir la triste fin que j'avais eue juste avant ce gameplay-là. Là, c'était la deuxième fois en fait que je le combattais. En live, je l'ai tué au bout de la septième fois. Là, il est quasiment mort, donc je vais quand même m'éloigner de lui pour lui remettre quelques flèches, histoire voilà, d'être sûr que quand je vais m'approcher de lui pour le finir, ça sera le coup fatal, parce que je ne veux pas le tuer à distance, je veux vraiment le tuer au corps à corps et de préférence à l'épée. Là, il a failli m'avoir, et heureusement, j'ai une petite gravure qui me permet, si c'était un coup mortel, de récupérer, je sais plus, je crois, c'est 10%, je crois, de vie, un truc comme ça, et de ne pas mourir. Une gravure très très intéressante que je vous conseille très fortement, ça vous donne une seconde chance en fait. Et cette gravure, une fois que vous l'avez, enfin, une fois que vous avez utilisé ça, là par exemple, là, j'ai été touché, j'aurais dû mourir, elle est inactive pendant 2 minutes. Donc il faut attendre 2 minutes pour que, à nouveau, l'effet de cette gravure puisse se renouveler. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu, les conseils que je vous ai donnés. Alors évidemment, c'est pas grand chose, hein, puisque encore une fois, j'ai essayé de pas trop mettre l'accent sur mes compétences à moi, sachant qu'on n'a pas les mêmes. Mais sachez comment
moment où il atterrit sur vous, c'est là en fait où vous allez pouvoir avoir un créneau pour le taper. Et attention à son attaque de zone, écartez-vous, laissez-le tomber et après approchez-vous de lui et tapez-le. Et tapez-le pas trop longtemps non plus, parce que sinon il va donner des grands coups de patte, des grands coups de bec, enfin, des grands coups de gueule, pardon, et ça va faire très mal. Et donc soyez pas trop gourmand, reculez et après continuez à le travailler à l'arc. Et puis bah, dès que vous en avez l'opportunité, rapprochez-vous, tapez-le ou faites le combat totalement à l'arc. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo vous a été un tantinet utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, évidemment, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce vers le haut, vers le bas. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Allez, bye!